patient, il est très souriant. C'est à moi de dire ça, donc. C'est avec comme elle, en fait. Il est souriant, patient et sensible. Nous avons un très bon parrain. Mais c'est avant tout un bon apprenti. Très bon, oui, bah, bon élève, Après, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? C'est juste les chiffres quand on nous pose des questions. Parce qu'en fait, nous, on parle de tonnage. C'est ça? De tonne, ouais, voilà, de tonne. Ouais. Pour les vieux jeunes, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas besoin d'apprendre. On est là, on parle avec notre cœur. Après, voilà, ce qu'il faut apprendre, c'est les chiffres. Quand des fois, il y a des journalistes qui nous posent certains chiffres. Madame Chirac, elle connaît tout. Nous, pour prendre des petites notes quand même, pour être au courant de ce qui se passe. Mais ce qui est bien, c'est ce qui est concret déjà. C'est vrai que pendant 4 années, bon, c'est ma première année, j'ai vu ce qu'ils ont déjà effectué, ce qui est déjà mis en place, que ce soit les espaces de vie pour les gamins, de jeu, des aires de jeu par exemple, mais en même temps des espaces pour les parents, et notamment très bientôt, très prochainement, des maisons pour les familles. Donc je crois que dans le milieu hospitalier, qui est d'ailleurs le vocabulaire hospitalier, se doit d'être très hospitalier, et nous on essaie de le rendre familial et convivial. Voilà. Et là, en tant que marin et marraine, est-ce que vous permettez, vu que vous êtes des gens du spectacle, des gens qui avaient l'habitude de la lumière, est-ce que vous permettez de faire des choses en plus? Je sais pas, un show. Là, vous allez passer sur scène, vous allez faire quoi? Alors moi, je chante. Tu vas faire un striptease. Non, tu jongles. Il chante et je joue. Ouais, c'est bon. Voilà, je vais comme ça. On va voir, là ça va être une première. Pourquoi tu nous crois pas? Non, on va voir parce que moi je suis en live, donc on va bien voir. Je crois qu'il y a des artistes pour ça. Moi je vais rester à ma place, je vais sensibiliser encore davantage les gens pour adopter les pièces. Non, elle a tout, c'est une artiste complète. Mais ça serait intéressant. Après, il y a déjà des associations qui organisent des matchs de foot, mais le foot peut être intéressant pour de nouvelles idées. Quoi, je ne sais pas, mais c'est à réfléchir. Christian Carambeu! Bonjour! Es-tu... regarde, où serait, je ne sais pas, vers le ciel bleu, le soleil, le vaguier, le public, fait du bruit s'il vous plaît, le public! Formidable! Conscient de ce qu'elle fait, oui, pour vraiment rendre hommage à Madame Chirac. Voilà, qui nous rejoindra tout à l'heure, Madame Chirac, qui sera ici sur ce plateau. Demandez, est-ce qu'on peut rappeler en deux mots rapidement avant de commencer le concert? Parce qu'après, il faut un peu chanter aujourd'hui. Bon, non, bon, nous allons chanter, tout ça. On va la faire chanter tout à l'heure. Est-ce que tu peux leur dire deux mots à la date de la deuxième édition? C'est la 22e édition des pièces jaunes, et ces pièces jaunes, en fait, ça sert à améliorer le confort et l'accueil des enfants dans les hôpitaux. Ça sert aussi à rapprocher les familles, parce que c'est vrai qu'un enfant dont les parents habitent très très loin, ça permet à la maman ou au papa de pouvoir dormir avec l'enfant, donc l'enfant se sent plus en sécurité, se sent plus en confiance. Donc c'est vrai que pour guérir, les médicaments sont très importants, mais aussi le mental joue beaucoup. Ça sert aussi à contre la douleur, c'est-à-dire nous achetons des pompes anti-douleur pour que les enfants évitent de souffrir, et aussi la construction de maisons d'adolescents qui joue un très grand rôle. Et l'espoir des pièces jaunes, en fait, c'est de construire une maison d'adolescents dans chaque département. Et c'est bien parti parce qu'il y en a déjà beaucoup. Voilà, mais il y a encore beaucoup de projets. Qui dit beaucoup de projets, besoin d'argent, besoin de petites pièces jaunes. Et comme on dit, Laurie, 23, ça tombe pour le réveiller, donc c'est pas réveillé. On peut le dire. Non, j'ai absolument encore le soleil. Voilà, merci. Vous êtes prêts pour venir à un concert? Ouais. Tu vas te changer pour chanter? Ouais. Vous connaissez? Souvent le contraire, tout ce qui l'attend.
Merci du fond du cœur et je vous passe la parole. Merci monsieur le député maire, mesdames, messieurs les élus, mes chers amis, vous parlerez entre vous tout de suite après parce que ça me gêne un petit peu de prendre la parole devant des gens qui font pas mal de bruit dans le bonheur et la joie. Je suis particulièrement heureuse de me trouver avec vous aujourd'hui à Nice, à l'occasion de cette joyeuse fête de retour des tirelires pièces jaunes. Cette année est la 22e édition de notre opération et je vous remercie toutes et tous et du fond du cœur, à commencer par vous, monsieur le maire, avec notre ami Billy, Sherifa, Luna, Baptiste, Jackie Conny et leur collectif Métissé. Je tiens aussi à remercier l'ensemble de nos partenaires, sans qui l'opération Pièce Jaune ne pourrait exister, et tout particulièrement leurs représentants locaux, la Banque de France, dont je tiens à saluer le caissier général qui a fait le voyage depuis Paris pour être à nos côtés, les boulangers, la Brinks, Carrefour, GDR Suez, la Poste, Massé Ferguson, le ministère de l'Éducation nationale, merci beaucoup encore de votre accueil. Le concert continue dans quelques secondes. Merci beaucoup, madame. À tout à l'heure. Et je vais accueillir un artiste qui est, vous connaissez bien, qui est une petite locale ici. C'est Pessignac.